Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera les favorites du moment, donc toujours sous forme de top 5, mais cette fois, comme vous le verrez sûrement dans le titre, c'est des favoris 100% blush. Donc si vous ne le saviez pas encore, moi je suis totalement fanade blush, donc voilà, on commence tout de suite. Alors je pense pas vraiment que je vais faire vraiment le top 5 comme d'habitude, parce que voilà, ce sont vraiment 5 blushs que j'adore vraiment et je saurais pas vous les classer comme ça. Donc je vais commencer par ceux qui me tombent sous la main. Donc hop, le premier donc, que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un blush de chez H&M et il s'appelle, donc c'est le 19 Sugar Coral. Donc voilà, c'est un, je trouve que c'est une belle couleur pour l'automne. Bah, je trouve que c'est une couleur qui va pour toutes les saisons. Donc voilà, la pigmentation elle est super bien pour tous les jours. Et il en faut vraiment pas beaucoup. Je l'ai mis vraiment tout le début du mois de septembre. Donc voilà, je l'adore vraiment et je le trouve génial. Le deuxième qui me tombe sous la main, c'est celui-ci. Donc oui, c'est un Sweetheart de Too Faced et c'est la couleur Something About Berry. Donc voilà, il est trop beau, il est super irisé, super pigmenté, mis à part l'odeur, enfin vous voyez il y a plastique à l'intérieur et ça sent en fait un peu le plastique, mis à part ça voilà, le packaging est super joli, il est super beau, avec lui pas besoin d'highlighter, enfin bref, il est génial. Et le troisième, c'est le Benetint de chez Benefit. Et franchement, lui, il est super bien aussi. Je l'ai mis aussi beaucoup à la rentrée. Et voilà, pour un maquillage super discret, il fait un effet très naturel, un rosé naturel. Pour celles qui commencent à se maquiller ou qui veulent pas que ça soit voyant, moi je trouve c'est un indispensable à avoir. Le quatrième, c'est un blush mosaïque de chez New York Color, donc c'est le Pink Check Glow. Donc voici, c'est le blush de la collection et il est génial, c'est le blush que j'ai mis tout cet été et il est vraiment super joli, il donne un teint vraiment très hallé. Si vraiment on est encore un peu bronzé pour cette période, c'est super, mais je crois que je vais quand même continuer à le mettre, il est trop beau. Dernier, c'est l'une de mes dernières acquisitions, donc c'est une palette de chez Sleek. Et donc voilà, c'est une palette de blush. Je porte celui-ci pour le moment. Je sais pas vraiment si vous le verrez, mais donc voilà. Les couleurs pour l'automne, elles sont magnifiques. Ces deux-ci sont mes préférées, je les adore vraiment. J'aime un peu moins l'oranger, mais ça c'est parce que ça me va moins au teint. Mais ces deux-ci sont vraiment magnifiques. La pigmentation, vous avez à peine 1000 pinceaux dedans que vous avez déjà limite trop pour faire une joue. C'est vraiment... Bref, ils sont super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté mes blushs préférés du moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des blushs vraiment favoris que vous mettez tout le temps. Et je crois que c'est tout. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos. Bye bye.